Qu'est-ce qu'on donne? C'est de droite qui se coupe en O, RS et CE. Ses distances, CR 3,6 cm, CO 2, OR 3,2, OS 8 et OE 5. Montrez que les droites CR et SE sont parallèles. De nouveau, la réciproque du théorème de Thalès. Calculons les rapports OC sur OE et OR sur OS. OC sur OE égale 2 sur 5. OR sur OS, 3,2 sur 8. Pour voir si deux rapports sont égaux, autrement dit 2 sur 5 égale 3,2 sur 8, on fait le produit en croix pour voir si les produits en croix sont égaux. 2 fois 8, ça fait 16, et 5 fois 3,2, ça fait 16 aussi. Autrement dit, ces deux rapports sont égaux, vraiment. Autrement dit, par la réciproque du théorème de Thalès, ces deux droites sont parallèles. C'était la question petit a. Pour la question petit b, on va calculer la longueur SE. Maintenant qu'on sait que CR et SE sont parallèles, les deux triangles ici sont en configuration de Thalès. Et on va calculer, par conclusion, les rapports qui sont égaux. OR sur OS, sur la main droite, égale OC sur OE, sur la main droite, égale CR sur SE. On remplace par les rapports, par les valeurs connues, OR 3,2, OS 8, OC 2, OE 5, CR 3,6 et SE, SE, on ne connaît pas sa valeur. Et dans cette proportion, la quatrième proportionnelle, SE, est égale ça fois ça divisé par ça. 3,6 fois 5 sur 2. Calculons. Plusieurs façons de calculer. D'abord, 3,6, on peut multiplier par 5, mais d'abord on peut diviser par 2. 3,6 divisé par 2, 1,8 fois 5. Pour multiplier par 10, on déplace la virgule, on divise, ça fait 18. Divisé par 2, ça fait 9. Rappel de ce calcul mental, multiplier un nombre par 5, on le multiplie d'abord par 10 et puis on divise par 2. Et on a trouvé la longueur SE demandée. Maintenant, voir le coefficient de réduction, petit c, entre les triangles CRO et SOE. Je rappelle que quand un triangle est ici avec celui-là, ce triangle est la réduction de celui-ci. Il a les côtés bien plus petits. Et le rapport, c'est quoi? N'importe lequel de rapport ici. Prenons pour le simple OC sur OE, 2 sur 5. 2 sur 5, ou si vous voulez, 0,4. Pour les amateurs de nombres décimaux.